Les amis, aujourd'hui on va parler du FC Barcelone. Moi ça fait plaisir de parler du Barça parce que franchement c'est un des rares clubs qui a le don de me faire rire. En termes de divertissement, le Barça ça se tape avec le PSG. Alors on va pas parler de leur parcours resplendissant en Ligue des Champions puisqu'ils se sont encore fait lamentablement chier dessus par le Bayern, comme d'habitude vous me direz. On va plutôt parler de leurs problèmes financiers, oui. Parce que malgré 32 leviers financiers activés cet été, dont un qui consistait quand même à vendre les poils pubiens de Léo Messi aux enchères, et bah le Barça ils sont encore dans la merde. Incroyable, ils vont devoir baisser les salaires de 200 millions d'euros avant cet été. Comment c'est possible d'être aussi pauvre? Comment ils font, frérot? Nous on est là, on se plaint de la crise économique à cause de la guerre en Russie. Au Barça, la crise économique c'est 24 heures sur 24 depuis 4 ans. C'est un autre niveau. Dites-vous qu'au Barça, les joueurs ils vont pas à la cantine, ils vont au Crous gratter des plats à 1 euro. Les joueurs ils vont pas à l'entraînement en Audi A4 et toutes ces conneries, ils y vont en Blablacar. Bientôt le Barça ça sera le premier club au monde où le salaire des hommes sera égal à celui des femmes. Ça c'est beau. Par contre, moi je me pose des questions, il va où l'argent?